émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne, n'a pas si mis au son bot. Voilà, donc ici je vais réaliser un gâteau qui se réalise sans four. Donc il s'agit d'un Mont Blanc sans cuisson au four. C'est une recette, en fait je propose cette recette pour répondre aux questions des nombreuses internautes qui m'écrivent inbox, qui ont vraiment le souhait de réaliser un gâteau, mais le four est un obstacle. Elles veulent faire des petits gâteaux d'anniversaire pour leur enfant, des petits gâteaux. Et ces personnes sont situées en Afrique, là où le four n'est pas accessible à tout le monde, et là où il y a d'énormes soucis d'électricité. Donc j'ai décidé de remplacer la génoise de ce gâteau par des crêpes, à peu près une dizaine, voire une quinzaine de crêpes. Et c'est une recette que j'ai déjà réalisée deux fois, donc aujourd'hui ça va être la troisième fois, je l'ai testée. Elle était magnifique, il a fallu apporter des améliorations que j'ai apportées. Donc la recette se fait en deux étapes. On commence par la réalisation des crêpes, ensuite on réalise une crème pâtissière à base de lait de coco. Il s'agit d'un Mont Blanc exotique. Vous pouvez aller voir sur Google ce qu'est un gâteau Mont Blanc classique. Ici c'est un gâteau Mont Blanc exotique. Cuisson sans four. Donc, pour réaliser nos crêpes, nous allons avoir besoin de 6 blancs d'œufs, pour la simple et bonne raison que dans la crème pâtissière on utilise les jaunes, donc je fais ma pâte à crêpes sans les jaunes. C'est pas plus mauvais, j'ai déjà fait ça deux fois, donc 6 blancs d'œufs. Nous allons avoir besoin de 375 g de farine, 375 g pour les Français, donc de farine. Ensuite, 750 ml de lait entier ou demi-écrémé, pour moi c'est toujours demi-écrémé. Une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de sucre, 50 g de beurre fondu. Donc ici, je voulais juste vous montrer l'emballage des œufs. Ce sont des œufs élevés en plein air que j'ai choisi. Voilà. Et en plus, c'est la dernière date aujourd'hui, à savoir le 2 du 1. Donc, il était temps que je les mange. Voilà. Maintenant, pour la crème pâtissière au lait de coco, on aura besoin de 6 jaunes d'œufs. On aura besoin de 150 g de noix de coco râpées, on aura besoin de 140 g de sucre, à peu près, 10 g de sucre vanillé, ensuite 600 ml de lait de coco, et ici, du sirop, c'est pour monter mon gâteau. Normalement dans la recette c'est du rhum, mais moi, comme je ne consomme pas d'alcool, j'ai pris juste du sirop de rhum, saveur rhum. Et on aura besoin également de sirop de sucre de canne. Mais c'est facultatif. J'ai déjà fait la recette sans mettre le sirop. C'était pas plus mauvais. Voilà. Donc, je vais juste vérifier ma quantité de sucre parce que là, j'ai un doute pour la crème. Oui, on est bien là. Il faut 150 grammes. Voilà, donc maintenant je vais réaliser mes crêpes sans les jaunes d'œufs. Ils vont quand même être beaux aussi. Et je reviens pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, donc pour la réalisation de ma pâte à crêpes, j'ai d'abord mis ma farine dans ce cul de poule. Je vais y ajouter le sel et le sucre. Donc le sel, je fais tout ça avec ma main, je suis seule là, le sucre, voilà, et puis on va faire un puits, et on va y verser ici les blancs d'œufs. Voilà, ensuite, on mélange jusque quand le mélange devient bien épais. Et après, quand ce sera bien épais, on va ajouter le lait froid.
continue à touiller, puis je reviendrai pour le lait. Donc voilà, c'est pas évident à une seule main. C'est devenu bien épais. Et là, on va ajouter progressivement le lait. On va battre, on ajoute le lait. Un peu à la fois. Voilà. Voilà, bonjour, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de faire une pâte à crêpes. C'est pas évident parce que je filme d'une main avec mon téléphone. Je n'ai pas trouvé un moyen de le poser. Et de l'autre côté, je suis en train de battre la pâte à crêpes. Donc on va rajouter au fur et à mesure du lait. Et là, je vais continuer à battre, je reviendrai quand tout est bien homogène. Un petit peu à la fois, hein. Ça va? Voilà, on doit battre jusque quand la pâte est assez fluide. Quand elle est bien fluide, on va ajouter le beurre fondu. Voilà. Pas facile, hein. Voilà, on continue. Voilà, c'est d'être une pâte à crêpes bien liquide. C'est pas une pâte à gaufre. Hein. Voilà, on se retrouve pour la cuisson. Voilà, vous aurez peut-être du mal avec les crêpes. C'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaune. Mais ça sera des crêpes quand même. Alors, on va faire notre crème pâtissière. Maintenant, j'ai une assistante, donc c'est moins embêtant. On mélange le sucre avec les œufs, bien mélangé pour que ça blanchisse. Allez, plus d'énergie. On met du sucre vanille. Le zeste de citron. Attention. Tiens le. Voilà, comme ça. Allez, tiens fort. Non, mets tes mains par là parce qu'on ne voit pas. Voilà, merci. Merci. Désolée, c'est avec les moyens du bord. J'ai ma petite fille qui m'aide. Donc, on va bien blanchir les œufs avec le sucre. Une fois que ce sera fait, on passera à la suite. Donc, on va mettre notre lait de coco à ébullition. On met aussi la farine. Mélange bien. C'est la farine. Bien, jusque quand tout a la même couleur. C'est pas grave. Bon, la petite ici, elle a 8 ans, hein, donc soyez indulgent, elle m'aide. Heureusement que pendant qu'elle touille, je suis occupée à autre chose. Prends bien tout le contour, s'il te plaît. Ok, plus fort. Good job! Magnifique! Bravo! Stop. Voilà. Quand on a bien mélangé, tu continues à mélanger. Vas-y, mélange. On va mettre maintenant le lait de coco qui a un peu frémi. Ça ne doit pas être bouillant. Allez, plus fort. Go. J'ai peur de renverser. Non, tu ne vas rien renverser. Vas-y. Courage. On met le lait de coco, on tourne. Là, on est en train de faire une crème pâtissière au lait de coco.
Voilà. Coconut milk. Ok. Voilà, maintenant on va aller faire épaissir tout ça sur le feu. À tout de suite. Voilà, on va ajouter 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Stop, stop, stop. Comme ça, on va bien voir la caméra. Voilà. Comme ça, ça prend déjà le goût. Le reste, ce sera pour la décoration. Voilà, c'est bon. Voilà, notre crème pâtissière est quasi prête. Vous voyez ? Soulève un peu le fouet là. Voilà, elle a bien épaissi. Tourne. Voilà. On obtient cette texture. Ça va être la base de notre gâteau. Comme un pudding. C'est comme un pudding, oui, exactement. Voilà, c'est parfait. Voilà, on se revoit pour le dressage final du gâteau. On va préparer notre sirop. Sirop de sucre de canne, on met. Et on va mettre un peu de sirop de rhum. Normalement, dans la recette, c'est du vrai rhum. Moi, je mets le sirop de rhum, comme ça, ça donne une bonne odeur sans les désagréments de l'alcool. Voilà. C'est assez parfumé. Et ça, on va utiliser. Alors, mon assistante, qui s'est très bien lavé les mains, va déposer une première crêpe dans le fond du moule. Avec les deux mains. Voilà. Voilà. Ensuite, elle va imbiber. Vas-y, tu mets du sirop là, partout. Voilà. Il y a des trous dans la crêpe par contre. C'est pas grave. Ok. Alors, tu mets de la crème pâtissière. Oui, comme ça. Tu étales. Voilà, donc on a mis la crème pâtissière. On va superposer les crêpes. Crêpe, sirop, crème pâtissière. Crêpe, sirop, crème pâtissière. Maintenant, crêpe. Donc on continue, crème pâtissière, crêpe, sirop, on superpose, crème pâtissière, ouais la crème pâtissière. La première fois que j'avais fait ce gâteau, j'avais mis trop peu de crème pâtissière, c'était pas assez mouillé. Donc cette fois-ci, j'ai fait le double de la dose. Voilà. Donc chaque fois la superposition, quoi, crème pâtissière, crêpe. Faut juste bien se laver les mains avant.
Il faut faire des crêpes suffisamment grandes par rapport à la taille du moule. Hein. J'ai d'autres moules plus petits. Donc ici, j'ai souhaité le faire là-dedans. J'ai aussi des cercles adaptables. Vous pouvez utiliser aussi un cercle à pâtisserie. Voilà. Crêpes. Si vous voulez un gâteau plus haut, vous faites plus de crêpes. Hein. Là, j'avais la flemme. Hein. Donc, j'ai fait vraiment le minimum. Vous pouvez faire jusqu'à 18 crêpes ou 20 crêpes, ça dépend de votre moule. Ici, on en a 11. J'ai 11 crêpes, en fait. Quelques crêpes ont été goûtées. Donc, crème pâtissière. Voilà, on peut stopper. On reviendra pour la suite. Voilà, donc on est au dernier étage. On termine avec la crème pâtissière. Au lait de coco. C'est pour ça que c'est exotique. C'est à cause du lait de coco. On en met bien partout. On peut un peu passer le contour ici. Et voilà. On va terminer avec la noix de coco. On en met bien partout. On peut faire un gâteau plus haut, hein. Ok. Voilà. Là, maintenant, on va laisser au frais, de préférence toute une nuit, mais on peut laisser, je pense qu'à partir de 6 heures, c'est bon. Je vais filmer. Toujours quand vous mettez dans votre réfrigérateur, pour pas que ça prenne les odeurs des oignons, des autres choses qu'il y a dans le frigo, enfin des sauces à la, ou de la charcuterie, je sais pas, vous mettez du film. Attendez, ça a un peu bougé, c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Ça va, c'est pas grave. Ça tient bien. Ça va être bien sécurisé avec le film aussi. Voilà. C'est terminé. On met au frais et on reviendra pour la dégustation plus tard. Stop. Voilà, donc le gâteau est resté plusieurs heures au réfrigérateur. On va enlever la partie du haut. Voilà. Attendez. Que je ne casse pas tout. Voilà, ça se passe comme ça. Viens là, ma puce. Enlever ça. Voilà. Tiens. Maintenant, ce que je vais faire, il y a le bas du moule, hein, ne vous inquiétez pas. Je l'ai dit, hein, le gâteau peut être un peu plus haut, hein, mais là, vraiment, j'étais fatiguée. Donc, j'ai pas pu refaire de la pâte à crêpes. Il est là. On va faire une petite déco. Ce qu'on appelle cerise sur le gâteau. Pour apporter un peu de couleur. Ce sont des cerises en bocal, hein, parce que là, j'ai pas de fruits ici. Des fruits rouges. On va mettre par exemple deux. Une troisième. Là, dis pas que les cerises ne veulent pas venir. Voilà, on va en mettre trois comme ça. Pourquoi pas. Ensuite, on va faire une photo. Quelqu'un veut prendre une photo de ça? Parce qu'après, quand je coupe, j'aurai plus de photos. Une petite photo. Voilà, une belle photo. Vous voyez notre Mont Blanc. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais le découper une part et je reviens
avec ma part de gâteau. Voilà, on a pris une part de gâteau, je vais bien montrer. Vous voyez l'intérieur? C'est bluffant, hein? On dirait un vrai gâteau. Mais ce sont des crêpes. Alors, on va regarder de près la part de gâteau. C'est magnifique. Vous voyez? Donc, c'est un gâteau Mont Blanc, sans cuisson au four. C'est fait à base de crêpes. Voilà. Et l'émission Mon Secret de Malheur Moderne vous dit à bientôt.